tout, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous faire découvrir, ou plutôt vous présenter, parce que ce n'est pas véritablement une découverte, le Cosmic Cycles Tarot de Martina Razzo et de Myriam Eugé. C'est un tarot qui est sorti, je crois, en 2019 sur Kickstarter. Je l'avais vu d'ailleurs, j'avais hésité à l'acheter. Et en fait, à cette époque-là, si je me souviens bien, j'avais remarqué que les cartes n'étaient pas d'une qualité super, et c'est pour ça que j'avais pas cliqué. Puis, je l'avais revu évidemment sur la sphère YouTube, et j'avais là, à cette époque-là, quelques mois après, je me suis dit, ah ouais, la prochaine fois évidemment, il a été réédité plusieurs fois, et prochaine fois que je revois qu'on pouvait l'acheter, en fait, qu'on aurait pu l'acheter, et bien à chaque fois il était épuisé. Puis, en me promenant il y a quelque temps justement sur YouTube, j'ai vu la review, mais je sais plus de quelle youtubeuse, de cette édition limitée. Hein. Ils ont sorti une édition limitée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est celle-là que je voulais, parce que d'une part, elle a une boîte comme ça rigide, alors que si on achète les dernières éditions, c'est une boîte tout à fait normale, hein, qui est bien, hein, mais tout à fait normale. Et en plus, là, les cartes ont une tranche violette que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà. Évidemment, comme à chaque fois, c'était toujours épuisé, impossible de l'avoir. C'est une édition donc limitée qui est difficile à trouver. Et il y a quelques jours, je l'ai trouvée sur un site, pardon, de revente d'occasion. Alors la personne à qui me l'a vendu m'a dit qu'elle l'avait utilisé deux, trois fois et qu'en fait, elle crochait pas avec ce genre d'illustration. Donc bah, j'ai sauté sur l'occasion. C'était mon cadeau de Noël. Évidemment, il a un certain prix, certes, mais comme c'est une édition limitée, et il y a quand même cette notion de carte, quand même, avec une tranche, et surtout la boîte. Moi, j'avais envie de cette boîte beaucoup plus rigide que l'édition normale, je dirais. Voilà. Donc, c'est inutile de vous le présenter. Bon, je vais quand même vous faire la présentation, mais c'est pas véritablement une découverte, comme je disais tout à l'heure, parce que ben voilà, on le voit souvent, on l'a beaucoup vu sur la sphère YouTube. Donc voilà, je vous fais quand même une petite présentation, mais peut-être un peu plus rapide. Alors voilà, la boîte est en dur, on a une inscription derrière. Ici, on a la présentation de l'illustratrice et de la créatrice. Hein, donc je me répète, c'est Martina Razzo, l'auteur, enfin la créatrice de ce tarot, et les illustrations de Myriam Eugé. Donc voilà, on a un livret. Il y a un petit sticker souci. Voilà, je le trouve très sympa. On a un livret en noir et blanc. J'ai pas tellement eu le temps de bien regarder, de bien le traduire, mais en tout cas, voilà, il est bien fait. Il y a pas non plus énormément, mais je trouve qu'il est assez clair, il est assez précis. Pour moi, il est assez complet. Donc voilà, on a cette notion de voilà, les basiques. Hein, elle explique voilà. Donc elle explique qu'elle a voulu faire. D'ailleurs, vous verrez d'après les illustrations, si vous le connaissez pas, qu'on pourrait faire et qu'on pouvait en fait lire une histoire. C'est pour ça qu'elle a voulu faire des illustrations assez modernes. Donc voilà, elle nous parle aussi de la numérologie, hein, qui est intéressant, l'astrologie aussi. C'est pour ça que je vous dis, il est simplement mis en page comme ça, hein, c'est blanc et noir, c'est pas. Mais il y a tout ce qu'on doit savoir. Voilà, on a quelques tirages et on a. Alors au début, elle met tous les personnages de cours ensemble, hein, et je trouve très intéressant. Et après, on a la majeure, la mineure. Et vous allez, enfin moi je me suis rendu compte comme ça, c'est qu'en fait, vous verrez sur les cartes, tous les personnages, on va les retrouver non seulement dans les cartes de cour, dans les cartes mineures aussi, mais on va retrouver par rapport aux majeures les personnages dans plusieurs cartes. Donc c'est pour ça qu'il y a une histoire, on peut lire une histoire au travers de ce tarot. Et moi, c'est ce qui m'a fait craquer, non seulement ces illustrations modernes, parce que ben, je pense que vous avez remarqué, durant cette année 2022, peut-être celle d'avant, je me suis acheté quelques tarots justement assez modernes. C'était un besoin, c'était une envie justement de pouvoir transmettre, interpréter, transcrire au travers du tarot avec des illustrations modernes, des scènes de tous les jours, des choses du quotidien.
Voilà. Et je pense que celui-ci, ça sera un petit peu le dernier achat dans ce genre de tarot. Parce que moi, j'aime beaucoup aussi les anciens tarots, les tarots beaucoup plus classiques, beaucoup plus vintage. Mais celui-là, j'en avais vraiment envie. Et je remercie encore la personne qui l'a mis en vente. Parce que vraiment, c'était un des derniers tarots de ce genre d'illustration que j'avais envie de m'acheter. Donc voilà. Maintenant, assez épiplété, on va passer aux cartes. Donc le coffret à l'intérieur, il y a ce genre de boîte. Alors je ne sais pas si je vais l'enlever parce que j'ai peur d'abîmer l'intérieur. Mais au fond, il y a une lune. Hein. Il y a la même représentation du dos des cartes. Voilà. Donc les tranches, magnifiques. Moi, je les trouve magnifiques. J'aime beaucoup le violet. C'est une de mes couleurs préférées aussi. Ce que j'aime, c'est que ce n'est pas des tranches brillantes, c'est des tranches mates. Hein. Et ça, je trouve vraiment top. J'aime beaucoup de tout ce qui est mat. J'aime moins les choses brillantes, mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Hein. Et évidemment, les cartes sont mates. Elles sont d'une excellente qualité, en tout cas, je pense que c'est du 350. En tout cas, pour moi, elles sont très belles. Elles ont un toucher pêche, mais par contre, elles se mélangent très bien. J'ai fait quelques tirages, pas beaucoup, mais j'en ai fait. On a donc cette carte de remerciement que je trouve vraiment super sympa. J'aime beaucoup, j'ai remarqué que certains créateurs mettent toujours une carte, bon ils appellent ça une carte bonus, mais avec juste un merci, je trouve que c'est vraiment sympa pour moi. Après c'est personnel, hein, j'aime mieux ça qu'un sticker ou qu'un, bon là à l'occurrence on a les deux, mais qu'un sticker ou ah, j'ai perdu le mot. Qu'on accroche avec une épingle. Ah, je sais plus maintenant. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Et je trouve vraiment sympa, vraiment, cette carte avec ce merci, avec cette scène de vie, justement. Je trouve vraiment sympa. Maintenant, les cartes. Donc voilà. Je ne vous ai pas montré le dos, mais je pense que vous connaissez tous hein, ça. Depuis le temps qu'on le voit, vous voyez, il fait. Voilà. On a le doré qui est vraiment presque. Ouais, un petit peu holographique, je dirais. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai un gros coup de cœur pour cette édition, je dois être honnête. Donc voilà, on a le fou. Alors moi, j'aime beaucoup aussi, outre le fait des tranches, des cartes, des illustrations, j'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées. Elles sont douces, elles sont. Ouais, moi, voilà, le magicien qui est un DJ. Voilà. Tourner les platines, la grande prêtresse. Donc, vous voyez ces personnages, on va les retrouver. Vous verrez hein, que ça soit dans les personnages de cour, que ça soit dans les mineurs, on va retrouver ce genre de personnages, les mêmes personnages un peu partout. J'essaierai de vous les montrer un petit peu au fur et à mesure. Les amoureux, voilà. Le chariot. Regardez cette carte, la force. Alors, c'est pas tellement dans l'illustration, mais je trouve qu'elle a une puissante énergie, cette carte. Avec cette personne qui fait de la rééducation, qui a peut-être subi un accident, et qui se remet à marcher, qui a cette volonté, cette maîtrise d'aller de l'avant, de récupérer au maximum de sa marche. Vous voyez, moi, c'est vraiment. Ouais, j'ai beaucoup aimé Starro. Enfin, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait cet achat d'ailleurs. Regardez. Et je trouve qu'il y a une approche vraiment de ce quotidien, de cette vie qu'on a tous, et qui permet vraiment de se plonger à fond dans ce genre d'illustration. J'aime beaucoup la tempérance aussi. Ouais. Et ce côté moderne, j'aime bien. Et ces couleurs, voilà. Bon, je vais arrêter de dire, hein, vous avez compris que j'adore ce jeu. Ici, on a le diable hein, qui est représenté par, évidemment, il a deux petites cornes. On a l'impression qu'il a saccagé cet appartement. Et on voit ses chaînes hein, qui tient cette jeune femme qui a l'air d'être. Qui a peut-être subi des violences verbales, violences physiques apparemment. Hein, on a vraiment. Voilà, il boit en plus. Donc, on a cette notion de chaîne, cette notion d'addiction. La tour. Une maison qui est en feu, c'est peut-être leur maison. On voit qu'ils ont pu sauver leur petit chien ou leur petit chat. On n'arrive pas vraiment à voir ce que c'est. L'étoile. Ah, je la trouve belle celle-là aussi. Ah, puis ouais, c'est ces couleurs, c'est d'une douceur. C'est. Waouh.
la lune. Alors bon, évidemment, il suit le rider, hein, vous pouvez le voir. D'ailleurs, c'est un très 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 bon, franchement un très bon tarot de débutant, ça, parce qu'il suit exactement le rider. Il est simple d'accès. On se torture pas l'esprit à se dire, mec, dans cette illustration, qu'est-ce que la créatrice a voulu nous faire comprendre, a voulu transmettre. Il est vraiment génial et c'est pour ça que pour moi il est. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo avec des jeux pour les débutants, mais il en fera partie parce que il est vraiment. Voilà, il est simple d'accès. Il est moderne, il est actuel, il est. Voilà, il est vraiment sympa et je le trouve d'une qualité. D'une très très belle qualité, que ce soit au niveau des cartes, du livre, enfin il est vraiment. Ouais, il y a plein de petits détails, de petites choses, vraiment très sympa. Voilà. Attendez, je vais y arriver. Voilà. Le valet de coupe qui est représenté par un barman. La reine de coupe qui est en train de faire des petites couronnes, de confectionner des petites couronnes. Le roi de coupe. Regardez, l'as de bâton, splendide tuile aussi. Oh, regardez ces couleurs. Toute la. Le 2 de bâton et le 3 sont exactement les mêmes dégradés. C'est pas toute la série des bâtons, mais ces deux cartes, en tout cas, elles sont magnifiques, les couleurs. 4 de coupe. 5 de coupe. Qui joue aux jeux vidéo. Ouais, il est vraiment actuel. Ah, voilà. La revendication des LGBT. Oui, on est vraiment dans l'actualité. On est tout en respectant quand même la symbolique du rider. Ouais, je trouve ça génial. 8 de bâton qui sont sur les montagnes russes. Pour l'effet de rapidité, 9 de bâton. Voyez par exemple celle-ci, elle fait partie, c'est le même personnage que le fou. Voilà, la reine de bâton. Qui mène les travaux, qui dirige un petit peu les travaux, le roi de bâton. On est dans les épées. Très significatif du 6 d'épée hein, qui change un petit peu du bateau avec les personnages dessus. Là, on a l'impression qu'elle quitte son domicile avec son enfant. Le page, enfin en l'occurrence c'est une page. La reine d'épée. Et on passe au denier avec, vous savez, la pince où on mettait une pièce pour y ramasser, attraper une peluche. Je trouve sympa l'idée. Deux de denier. Trois de deniers avec la collaboration hein, du chanteur, de la personne qui fait les réglages en studio. Voilà, 7 de deniers, 8 de deniers, il est fort. Hein. 9 de denier.
Elle est belle celle-là. 10 de denier. Le page. Et le cavalier. La dernière série. La star. La queen de denier. Et le roi. Voilà. Alors, je veux juste vous montrer. Par exemple. Voilà, on a le fou. Je vais vous montrer divers personnages. Le fou. On a l'impératrice. On a le chariot. Par exemple, la force. Mais il y en a d'autres. Hein. Et on a les mineurs. Où on retrouve un petit peu, si vous voulez bien, les personnages. Par exemple, vous voyez, là, on retrouve le personnage de la force, on le retrouve dans le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'il y a? L'impératrice, c'est dans les... Je crois qu'on la retrouve dans... ben voilà, par exemple. Ici, on a le valet de bâton, qui est le même personnage. Je ne sais pas si on voit, mais... Oui, voilà, qui est le même personnage que le fou. On le retrouve aussi... Vous voyez, on retrouve aussi le même personnage. Ah non, c'est pas le même, ça. Je voulais retrouver le... La patineuse. Je sais plus où elle est. Enfin, vous comprenez un petit peu la structure de ce jeu. On retrouve des personnages, que ce soit dans les mineurs, dans les majeurs. On retrouve à chaque fois... Vous voyez, par exemple, là, on retrouve le 9 de bâton. Avec ce même personnage, avec le chariot. Ici, ah, maintenant vous ne voyez pas, mais je vais le mettre plutôt là. Voilà. Et on, là, on retrouve le même personnage ici. Vous voyez, on retrouve dans les scènes de vie, on retrouve les mêmes personnages qu'on a dans les mineurs, et vice-versa, dans les figures de cour. Et je trouve très intéressant, parce que ça raconte des histoires, justement, et je trouve ça super intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si ce tarot vous plaît, s'il ne vous plaît pas, pourquoi. C'est toujours intéressant d'échanger. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, ça m'aide, ça m'encourage, ça donne un petit peu plus de visibilité aussi sur l'algorithme de YouTube. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et surtout réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.